L'Aladin. Moi, je me souviens qu'on y allait au départ à l'Aladin en 94 et on avait vu l'effondrement du Dunes qui avait été implosé et bien plus tard, donc là où faisait ses shows de Régide, et bien plus tard en 98, ils ont fait le Bellagio. En fait, il a été implosé en 94, je crois. Lendemain soir, concert, lendemain, ils repartaient. Le voyage faisait 7000 francs, en gros 1100 euros. 96 ans. Hein. 2016, ah, ça faisait 27 ans, tu vois, ça faisait beaucoup. Et si les gens voulaient se débrouiller tout seuls avec un plan à la Guy du Routard, ben, ils vendaient le ticket du concert 3200. Donc ils ont obligé les gens en fait à prendre tout le package. Et ils avaient été très déçus, les fans, parce qu'elle avait fait des concerts pendant peut-être un mois ou deux. Vous pouvez le retrouver sur internet, je pense. Ben, Aline Renaud, attends. Je me trompais. Ouais, c'est Céline Renaud qui faisait ses courses de marché dans du magasin 2008 et avec la crise immobilière, l'ouverture a été retardée vers 2010 à peu près, il a ouvert. Là nous retrouvons la bouteille café sans zut à Las Vegas là à gauche, puis le reste, le magasin Coca-Cola, la première boutique M&M au monde, elle est là à votre gauche. Ils en ont créé un deuxième à New York. Et il y a plein de couleurs d'M&M. Il y a des M&M en bleu turquoise, bleu roi, bleu ciel, bleu marine, bleu ceci, bleu cela. Pareil pour les verts, il y a même des M&M. Et là, la statue de la liberté à droite avec les New York. Avec l'Excalibur à droite, sorti en 89, sur le thème des temps médiévaux. Voilà, 89, la même année que le Mirage, il est sorti. Mais le Mirage avait coûté 650 millions de dollars et celui-là avait coûté moins de la moitié, 290. Chaque pan de mur là, il y a 500 fenêtres. Donc ça fait 500 chambres. Et ensuite, on ne le voit pas très bien à droite, mais il y a le Luxor Hotel en forme de pyramide, sorti en 93. Le phare de la pyramide qui ont des lumières rouges en haut, il y a deux bâtiments comme ça qui font 1000 chambres chacune. Au bout de 3 ans d'ouverture. Partait de Paris 3 heures après, New York, deux nuits par étape. Pour Waldorf Astoria. Après, ils sont partis sur. Plaza Hotel à droite. Alors, le Plaza a été fait en 71, on voit le chemin de fer à droite. Hein. Le Plaza a été fait sur l'ancienne gare qui a été créée en 1905. Le Plaza a été fait sur la gare en 1971. Et à l'époque, quand les gens sortaient du train, ils devaient passer par le casino du Plaza Hotel avant de se retrouver dans la rue. On va arriver à la rue la plus ancienne de la ville. Le Pignon Hotel, c'était un gars de Dallas. Il a commencé comme délinquant à Dallas à l'âge de 20 ans. C'était le boss du trafic d'alcool durant Dallas. Quoi. Et aussi le boss des jeux d'argent. Il est arrivé en 54 ici. Il a acheté l'Apache Casino et l'Eldorado Hotel. Et des deux, il n'en a fait qu'un seul qui porte son nom, le Pignon Hotel.